vas bien? Ouais, toi? Oui, je t'ai apporté un petit déjeuner. Oui. Et la 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 la. Mais voyons, la pizza, le lait. La poutine. Il paraît que tu voulais avoir des sacs de vidange. Ouais, c'est sûr, je vais faire un peu le ménage aussi. Toi, t'as-tu déjà vécu en appartement ou... Non, c'est sûr. Ah, OK. Ça explique. Je pense que ça va bien se passer. Bonne question. T'as un appel. On s'en va tantôt, Mels. Ouais. Tu prendras le temps de t'habiller avant de partir. Ouais. Parfait. Comment le prêt? Coiffé et tout. On est prêt. 6 milliards, ça fait beaucoup. Seul ensemble. Dis tous la plus belle saison de ma vie. On va faire une pause. Moi, je voudrais juste dire que Éloi, quand je le regarde comme ça, il pourrait être vraiment sorti d'un film vintage des années 70. Avec cette espèce de charme oui. Fou et intemporel qu'un des quatre Beatles avait. Je tiens à dire que Lara Fabian vient de te comparer à un Beatles. premier jour à l'Académie. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont cette espèce de Dora, de charme fou, puis Éloi, il l'a. Si tu veux faire, écoute, il y a 16 ans, c'est pas de sa faute. Ah ouais, les voix, ils en se réveillent. Éloi, en principe, c'est toi qui as la première sur deux de sa phalanx, que tu as vu ça? Fait qu'on va écouter quand même un petit brin pour que tu vois où est-ce que ça se place. Faut que je devienne un militaire, un dromadaire marié, un missionnaire populaire, avec des médailles de l'année passée. On l'a fait une autre fois, parce qu'après ça, là... tu ne pourras pas te cacher derrière ça, Yannick. Ouais, mais... Hey, by the way, là, Yannick, c'est parfaitement correct là, que ça ne fasse pas déjà partie de ton répertoire. Là. Qu'est-ce que tu veux? Tu as assimilé tout Aerosmith. Là, maintenant, c'est pas le pied. 3, 4... Nous, on le voit arriver, c'est un affaire rétro, non? Ouais. Ouais. Elvis, mais dans ses bonnes années, quand il était jeune et fresh. Ouais. One for the money, je pense que ça fonctionne bien. Est-ce que tu réalises là, ce que t'es en train de vivre là? Ah oui, je commence à le réaliser, le rendu ici. En tout cas, je me rappelle qu'à un moment donné, la plage la plus belle, c'était comme... Je pense que c'est le bout du banc. J'étais allé dormir sur cette plage-là. J'ai dormi sur toutes les plages. Mes parents me laisseraient pas aller dormir sur une plage comme la nuit à genre 16 ou 15. Mais il y a personne sur la plage. Puis? Puis aux îles. Puis? Aux îles de la Madeleine. C'est un autre monde. Comment faire pour genre durer dans le métier? Se souvenir que le futur n'existe pas. Et tout d'un coup, comme ça, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, tu te retournes et ça fait 30 ans que t'es là. Est-ce que ça te parle, ouais. Ça? Oui? On veut voir au futur vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais faut en même temps, faut vivre ce qu'on est en train de vivre. Absolument. C'est bizarre que tu dises. Je vais aller sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Puis appuie sur le cri. Hey. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. Va aller danser, Jean-Mi. J'ai envie de crier. Tu le fais sur les deux temps les plus proches. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. Non, c'est plus vite que ça. Je ferme les yeux et tu es toujours là. Ma seule envie ce soir. Je devrais rester seul et continuer à boire. Qu'est-ce qui m'a jeté un sort? Je perds tout ce que j'aime et même le nord. Je ne suis plus moi. Qui est-ce qui m'a jeté un sort?